Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Dans ce podcast, je vous emmène tous les 15 jours à la rencontre des talents du nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout, et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Je remercie chaleureusement tous les auditeurs du podcast, et tout particulièrement ceux qui ont pris le temps de lui attribuer une note 5 étoiles et de laisser un gentil commentaire sur Apple Podcasts. Cela m'aide à faire connaître La Boussole et à développer le podcast en le rendant visible, alors si vous appréciez ce travail, notez-le sur Apple Podcasts. Je dois vous faire une confidence. J'étais intimidée à l'idée de rencontrer mon invité du jour, et je remercie le réseau Entreprendre Nord pour leur mise en relation. Olivier de Surmont est un exemple de réussite, de gestion d'entreprise en hypercroissance. Il est habitué à parler de son parcours, de la création de ses entreprises. Il est aussi très introduit dans l'écosystème de la French Tech et Cooptalis, son entreprise, a rejoint le label French Tech 120. Bref, vous l'aurez compris, Olivier est un entrepreneur multirécidiviste à succès, parti de rien, et surtout, une belle personne qui met l'humain et l'impact social de ses entreprises au cœur de leur stratégie. Olivier est aussi un entrepreneur engagé. Chez Cineo, il a principalement recruté des personnes en difficulté. Chez Cooptalis, ses équipes ont accompagné des réfugiés politiques à leur arrivée en France. Je suis donc très heureuse de vous emmener à la découverte d'un entrepreneur qui veut avoir un impact sur son territoire et au-delà, et pour qui le bien-être de ses collaborateurs est la clé de voûte de leur fidélité à Cooptalis. Avec Olivier, nous avons parlé de gestion de l'hypercroissance, de processus de levée de fonds, d'attirer des talents, de responsabilité, de confiance, de famille et d'interdits bancaires. Vous retrouvez dans les notes de l'épisode les liens vers Cooptalis et le label French Tech 120. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Olivier. Bonjour Claire. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu es Olivier de Surmont, tu as fondé il y a quelques années Cooptalis, qui fait partie depuis quelques mois du label French Tech 120. C'est ça. Oui. Et donc Cooptalis, c'est une entreprise qui accompagne en fait l'expatriation de salariés un peu partout dans le monde et le recrutement de collaborateurs un peu partout dans le monde. Si j'ai à peu près bien résumé. Très bien résumé. Mais avant de parler de Cooptalis, je voudrais qu'on revienne sur ton parcours parce que tu es un entrepreneur récidiviste de la région. Parce que quelques années après tes études, tu as fondé Cineo, qui a depuis été racheté par Norauto. Donc si tu veux nous parler de cette première entreprise que tu avais créée. Alors Cineo, je suis vraiment un créateur multirécidiviste. Donc la première boîte, c'est Cineo, je l'ai créée en 2004. J'avais envie de vivre une aventure de créateur d'entreprise, enfin d'être mon propre patron, comme plein de jeunes, je crois, à l'époque, encore aujourd'hui. Et du coup, j'ai poussé loin mes études, comme pour repartir, je suis un vrai ch'ti d'origine, mais j'ai poussé loin mes études, pas forcément par amour de l'école, pour être très honnête, mais plutôt par amour du sport, parce que je faisais du water polo à haut niveau. D'accord. Et qu'en fait, faire des études me permettait de m'entraîner deux fois par jour et de pouvoir pratiquer ma passion à fond. Donc du coup, après les études, je suis parti bosser sur Paris chez Suez pendant 3 ans et je cherchais une bonne idée. Donc comment faire pour trouver une idée de création d'entreprise quand on n'a pas l'argent, parce que je ne suis pas issu d'une famille de créateurs d'entreprise. Donc je partais vraiment de zéro, sans connaissance. J'adorais entreprendre. Quand j'étais étudiant, j'organisais des grandes soirées. Je faisais venir 500 000 personnes. Donc je pense qu'il y avait déjà un peu une âme d'entrepreneur étant étudiant. Et par contre, trouver la bonne idée, je l'ai trouvée en 2003, où il y a eu la canicule en France. Et alors que je bossais chez Suez, chef de projet informatique, beau costume, belle cravate, voilà, j'entends parler des premiers arrêtés préfectoraux qui ont interdit en 2003 l'arrosage des pelouses, le remplissage des piscines et le lavage des voitures. Alors je me suis dit, tiens, on va interdire aux gens de laver leurs voitures. Qu'est-ce que je peux proposer comme alternative écologique? Parce que je voulais donner en plus du sens à mon projet professionnel et surtout une dimension sociale. Je suis issu de Waterloo, qui est plutôt une ville
pas très gâtée d'un point de vue économique depuis quelques années déjà. Et du coup, je voulais vraiment aider ma ville, Waterloo, à se développer. Donc, c'était le postulat de départ. Et donc, j'ai créé une boîte qui s'appelle Cineo, qui faisait du lavage de voitures sans eau, en embauchant plutôt des gens qui sont en difficulté, donc des chômeurs longue durée, des SDF, des travailleurs handicapés, donc plutôt un public en difficulté qui a du mal à s'insérer, où le métier de lavage de voitures, finalement, s'y prête assez bien. D'accord. Et donc, Cineo a grandi, ça s'est fait comment, la croissance de l'entreprise ? Alors, la croissance s'est fait assez rapidement, parce que alors, du coup, création de l'entreprise en 2004, donc j'ai tout plaqué. Hein. J'ai vendu ma voiture à l'époque, j'ai acheté une vieille camionnette, j'ai posé mon costume et ma cravate pour mettre un bleu de travail. Et je me suis mis à laver des voitures. Alors, j'aime pas les voitures, je lave jamais la mienne, c'était pas une passion. Hein. Je fais pas partie de ces hommes qui passent leur dimanche à sticker leur voiture, donc c'est pas du tout une passion. Mais ouais, je me suis dit, c'est en tout cas, il y a un projet, il y a une idée qui peut être sympa derrière. Et donc ça a démarré finalement assez vite, parce que création de l'entreprise en 2004, et en 2005-2006 je me suis retrouvé avec 40-50 salariés. Je n'avais pas prévu ça. Alors j'ai commencé dans le garage à Lys-Lannois, mes parents habitaient Lys-Lannois, donc chez mes parents à Lys-Lannois. Comme j'ai démissionné de mon boulot, j'avais pas d'argent, donc je suis retourné habiter chez mes parents à presque 30 ans, c'est pas simple. Donc, merci à eux encore de m'avoir hébergé à ce moment-là. Et donc voilà, ça a été un début d'apprentissage du métier, comment fabriquer, trouver une nouvelle gamme de produits écologiques pour fabriquer, pour laver les voitures. Et donc l'entreprise s'est développée avec un centre à Lille que j'ai ouvert pas très loin de la gare Lille-Europe. Oui. Et puis voilà, ça a fait boom. Et je me suis retrouvé donc en 2007, alors j'ai deux, trois petites anecdotes quand même, hein, mais je me suis retrouvé en 2007 où il y avait déjà 80 salariés. J'étais fiché Banque de France à ce moment-là, c'est-à-dire que l'entreprise grandissait très très vite. J'avais pas beaucoup d'argent, beaucoup de motivation, beaucoup d'envie, mais pas beaucoup d'argent. Et puis j'ai eu du mal à me faire financer par les banques. L'entreprise était rentable, mais on va dire juste rentable, zéro plus. Enfin, là, on faisait 5, 10 000 euros, 15 000 euros de résultats par an, ce qui est très bien, mais pas suffisant. Et du coup, j'avais pas assez d'argent pour payer mon développement, finalement, parce que le coût de la croissance coûte cher. Et j'avais pas les moyens, donc j'ai fait ce qu'il faut jamais faire. J'ai fait des crédits à la consommation à titre personnel pour payer le salaire des gens qui bossaient chez moi. Donc là, ça a marché, j'ai pu payer les salaires de mes employés, mais par contre, moi, à titre personnel, ça a été très compliqué. Et donc en 2007, j'ai fini par accepter de faire une levée de fonds. Je fais rentrer des actionnaires pour accompagner un développement de l'entreprise un peu plus rapide et pour me permettre aussi de sortir un peu la tête de l'eau financièrement, de structurer l'entreprise. Et donc à cette époque-là, j'ai dû trouver une banque pour me dire, s'il vous plaît, je suis fiché Banque de France, mais faites-moi confiance, laissez-moi 3 mois, je vais trouver un investisseur. Et voilà. Et c'est la CIC qui m'a fait confiance à ce moment-là. D'accord. Je pense que c'est une banque que tu connais un petit peu. Oui, oui. et du coup, ouais, c'est le début de l'histoire, moi, qui a démarré avec la CIC. Et puis ça m'a permis de sortir la tête de l'eau, de trouver des fonds qui ont mis de l'argent dans l'entreprise et qui ont permis à la boîte de grandir. Donc l'entreprise ensuite 2007 levée de fonds, et elle a grandi très très vite. Alors, en 2 ans, je me suis retrouvé de tout seul à 100-120 salariés, jusqu'à la cession de l'entreprise en 2011 où il y avait 350 salariés. Donc ça a été une super aventure de croissance avec plein de belles histoires, parce qu'une entreprise très humaine, forcément, d'embaucher des gens qui sont SDF, qui sont vraiment en grosse difficulté. Enfin, humainement, il y a de très belles rencontres. C'est parfois difficile aussi, mais il y a aussi plein de belles histoires, plein de belles rencontres. Donc c'est un projet qui était plein de sens, où on a pris, je dis on parce que c'est toujours un projet collectif, et même si c'était moi qui l'ai initié, c'est un projet collectif. Et c'était une aventure géniale à vivre. Et puis j'ai fini par embaucher mon père, ma mère, mes deux sœurs, mon oncle. Toute la famille bossait là-dedans, donc c'est en plus, à titre familial et personnel, c'était exceptionnel. Et donc à cette époque-là, les processus de levée de fonds, parce que du coup, on parlera de Cooptalis après, mais est-ce que c'était aussi, cadré que ce que c'est maintenant ? Est-ce que comment t'as fait pour aller chercher des investisseurs et quel type d'investisseurs t'ont accompagné du coup chez Cineo ? Alors les levées de fonds à l'époque, oui, c'était déjà très cadré. Enfin, ouais. Je suis pas si vieux que ça, donc ça date de 2007, donc oui, il y a 12-13 ans. Donc oui, il y a des banques
faire, il y a déjà des fonds, des gros fonds en place, enfin, il n'y avait pas trop de soucis. Et on bénéficiait, c'est vrai que j'ai pas perdu beaucoup de temps à trouver des fonds en fait. D'accord. On a eu une très grosse couverture médiatique, parce que c'était un peu la belle histoire dans la région et après même au niveau national. C'est-à-dire que c'était le jeune qui partait de rien, qui crée une entreprise sociale, environnementale, enfin voilà, il y avait des belles valeurs, enfin il y avait plein de... Et du coup, j'ai eu plein de passages à la télé, dans les journaux, j'ai fait des couvertures de magazines, ce qui quand on, moi j'avais même pas, j'avais 30 ans, enfin j'étais, ça allait dans tous les sens. Il y avait des politiques qui parlaient de moi à la radio ou à la télé où j'étais même pas, enfin ils me prévenaient pas et ils évoquaient mon nom et mon aventure comme un exemple. Donc c'était ça peut être assez perturbant aussi parfois parce qu'il y avait, il peut y avoir un décalage entre la réalité de mon entreprise qui était parfois c'était difficile au quotidien, le business, voilà. Et l'image du coup qui était rendue en extérieur par les médias où j'ai l'impression que c'était la meilleure boîte du monde. Ouais, donc c'est parfois difficile à vivre, mais c'était passionnant. Hein. Je sais pas si je vais raconter, mais j'ai eu une anecdote. On est passé une fois, enfin, passé pour mon premier JT de 20h, c'était chez Claire Chazal. D'accord. Je l'avais peut-être déjà dit, mais chez Claire Chazal. Et donc, moi, j'étais très impressionné, comme les journalistes qui viennent de TF1. Passer le soir même à la télé, donc moi je faisais toujours un peu le malin avec mes produits qui étaient 100% écologiques et sans danger pour l'environnement et pour la santé des utilisateurs, et donc ils ont voulu que je leur prouve que les produits étaient vraiment sans danger, donc je me suis servi un verre de 25 centilitres de produit que j'ai bu tout sec devant la télé, très fier, donc c'était génial, hein. La preuve, je suis en forme, tout va bien, il n'y a pas de danger, c'est le produit vitre hein, que j'ai bu à l'époque, c'était moins mauvais, j'en ai goûté plusieurs. Et donc ce produit est à base d'extrait d'agrumes et d'huiles essentielles. J'avais oublié qu'il y avait des huiles essentielles, donc je me vais très bien, j'ai bu le matin, mais l'après-midi, les effets laxatifs des huiles essentielles ont eu raison de moi l'après-midi, donc j'ai pas pu aller bosser. Mais maintenant, voilà, je suis en pleine forme, tout va bien. Mais en fait, ce buzz médiatique a beaucoup facilité la rencontre avec des fonds. Par contre, j'ai voulu faire la levée tout seul, en fait, sans faire appel à une banque d'affaires, vraiment aller... comprendre cet univers-là qui était... Et donc j'ai rencontré 50 fonds différents, des fonds d'investissement, des business angels, j'ai même étudié possibilité d'introduction en bourse, j'ai regardé des industriels qui commençaient à... Voilà, dont Noroto, sûrement à ce moment-là. Et j'ai fini par choisir donc un mélange de fonds régionaux qui avaient plutôt beaucoup d'empathie sur le projet, sur le côté humain et pas que sur la partie économique et sur Noroto qui m'intéressait beaucoup parce que forcément dans le métier, moi l'entreprise grandissait très vite, il y avait un modèle de franchise que je voulais développer et chez Noroto il y a également Midas, donc ils connaissent très bien l'univers de la franchise, il y avait la distribution des produits, enfin il y a beaucoup de synergies possibles et donc ça a été, c'était un mariage qui avait beaucoup de sens finalement et ça s'est super bien passé avec mes actionnaires de l'époque, en tout cas au début c'était très très bien. Et donc, au bout de quelques années, tu cèdes complètement Cineo à Noroto. Ah oui, je pense qu'il y a des cycles. Enfin, oui. Là, je suis vraiment fondamentalement dans la main développeur. C'est-à-dire que j'aime bien initier, lancer, trouver l'idée, aller me bagarrer sur le terrain. Voilà, je pense que je suis un moins bon gestionnaire, même si j'ai appris avec les années et je me suis bien amélioré sur ce sujet. Mais je pense que l'entreprise qui est sur une phase... plutôt de stabilisation, de gestion plus que de développement, il fallait passer la main. Et donc, c'est là où Noroto a repris la main. D'ailleurs, cette entreprise a depuis été cédée par Noroto à mon ancien directeur réseau. Donc, j'y vais très régulièrement. Moi, j'y étais la semaine dernière encore. D'accord. Je reste très attaché à cette entreprise. Mais oui, enfin, c'est la vie. Après, voilà, c'est pas, ça reste toujours un peu mon bébé, mais je ne dois pas être à côté. Enfin, faut savoir couper le cordon aussi de temps en temps. Oui, c'est bien pour moi et bien pour l'entreprise. Et donc après, comment te vient l'idée de créer Cooptalis, donc une fois que tu as cédé à Cineo? Alors Cooptalis, en fait, c'est arrivé... En gros, le départ de Cineo est arrivé un peu vite. J'avais pas bien anticipé et j'avais pas prévu que j'allais partir si vite. Il y avait un concours de circonstances qui fait que J'ai quitté l'entreprise en 2011. Et donc, je me suis retrouvé à chercher un peu rapidement un nouveau projet parce que voilà, j'avais l'impression d'avoir appris énormément de choses sur comment gérer une entreprise en hypercroissance, comment accompagner un développement international, enfin, voilà, comment manager une équipe qui grandissait vite. Donc, tout ça, j'avais l'impression d'avoir acquis. J'ai fait plein de bêtises, hein, forcément.
cours d'apprentissage rapide, mais ça passe aussi par des échecs. Donc, il y a eu des vrais ratés sur le parcours. Donc, j'ai vraiment essayé de faire le point sur tout ce que je savais. Du coup, je me connaissais beaucoup mieux, ce que je savais faire, ce que je ne savais pas faire. Et donc, j'avais envie de recréer. Alors, j'ai étudié 2, 3, 4 projets. Puis, je suis aussi allé plutôt par curiosité. Je suis allé voir quelqu'un que je connaissais qui dirigeait un cabinet de recrutement. Ici, en région, il y avait une quinzaine de salariés. Et en fait, j'ai passé 3 heures avec ce monsieur. Et au bout des 3 heures, il m'a dit, bah, écoute, Olivier, j'ai un boulot pour toi, mais pas celui auquel tu penses. Je pars à la retraite dans 6 mois. Tu adores l'humain. Tu as un gros réseau relationnel que j'avais construit aussi avec Cineo. Tu es fait pour reprendre mon cabinet de recrutement, donc tu dois racheter mon cabinet de recrutement. Donc voilà comment je me suis intéressé à l'univers des RH, que je connaissais également pas du tout. Alors j'ai étudié le monde du recrutement, que j'ai trouvé passionnant, de l'humain, du sens, voilà. Mais en termes de perspective de croissance, moi qui suis un vrai développeur, j'ai envie de grandir vite. Avec ce que j'avais connu avant, j'avais une boîte qui pouvait grandir vite. Donc j'ai cherché comment faire du recrutement autrement. Et donc j'ai invité à tour de rôle tous les copains que j'avais dans l'univers des RH, qui bossaient dans le monde des RH. Je les ai invités à déjeuner, chacun leur tour, chez Mère, rue Escarmoise, je les ai soignés. Et il y en a un, dans son parcours, il y en a un, donc Gilles Lechantre, qui est mon associé aujourd'hui, qui m'a raconté dans son parcours qu'il avait bossé pendant 2, 3, 4 ans chez Manpower, à travailler sur l'international, et c'était en tout cas, ça avait l'air passionnant. Donc j'ai fait ma petite étude de marché, 15 jours, étude de marché très courte, hein, c'est vraiment souvent quand je pense, en tout cas moi je fonctionne comme ça, quand j'ai l'idée de création d'entreprise, il y a beaucoup d'intuition, de feeling, j'ai pas besoin de passer des heures sur une étude de marché, je sens que j'ai trouvé le truc, c'est le bon, je le fais plutôt par principe et puis après pour pouvoir présenter un projet à tout le monde, mais je sais que c'est le truc, les deux fois où ça m'arrivait, je savais que j'avais trouvé et que j'avais mon projet. Mais moi, je suis retourné voir Gilles, je lui ai dit, écoute, c'est parti, je crée ma boîte, mon cabinet de recrutement à l'international, et c'est comme ça qu'on a démarré avec Gilles Lechant, en 2013, Cooptalis. Ok. Et donc, les débuts, ça se passe comment pour vous faire une place, finalement, dans ce monde-là? Alors, les débuts, on est reparti de zéro, en fait. Hein, on a démarré dans ma cuisine. Là, pour le coup, c'était plus le garage de mes parents, mais c'était dans ma cuisine. Vraiment, on a passé 6 mois, 8 mois comme ça, le temps de comprendre le métier. Gilles avait quitté depuis quelques années le monde du recrutement international. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Je ne parle pas bien anglais. Je suis un vrai français pour ça. Je suis en train de travailler mon anglais, mais je suis pas bilingue. Et donc on a dû vraiment repartir de zéro, voilà, avec cette idée-là, comprendre les clients, les définir les process, comment on faisait un recrutement, quels étaient les besoins, les attentes des candidats, des clients. Donc ça a été une année de construction du modèle, voilà, où alors en même temps on essayait de faire un peu de chiffre d'affaires pour faire tourner l'entreprise, avant vraiment d'appuyer sur la pédale d'accélérateur et de faire décoller. Donc on a pris nos premiers bureaux, puis ça s'est développé. Et en fait, très vite, l'idée de base, c'était de vraiment partir du recrutement, qui était, quand on parle de mobilité internationale, c'est vraiment partir d'un besoin fort des entreprises en disant, voilà, j'ai du mal à recruter sur mon territoire des ressources. Alors, souvent, les clients font appel à nous pour deux raisons. Hein. C'est soit celle-là, donc pénurie de main-d'œuvre sur leur secteur d'activité. Donc on a un paradoxe sur le marché du travail français où il y a à la fois beaucoup de chômage, mais il y a beaucoup de secteurs pénuriques qu'on a du mal à recruter. C'est vrai en informatique, c'est vrai dans le médical, c'est vrai dans plein d'autres univers. Et nos clients font également appel à nous aussi pour internationaliser leurs équipes en disant, bah là, moi, je veux une entreprise qui a une dimension beaucoup plus internationale, je veux aller m'ouvrir dans des nouveaux pays, je veux aller développer, installer des filiales dans des nouveaux pays. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que je puisse acquérir en interne une culture plus internationale. Donc en fait, on va les aider à recruter dans leurs équipes des profils qui viennent d'ailleurs. Donc voilà, c'est principalement les deux raisons pour lesquelles on fait appel à nous. Donc on a démarré avec ce postulat chez Cooptalis, et un petit peu à la fois, on a créé, ce qui était prévu dès le début, des services autour. Parce qu'autour du recrutement, c'est bien de faire venir quelqu'un d'étranger, mais vite on est confronté à plusieurs écueils. C'est la partie logistique, c'est trouver un logement, trouver une école pour les enfants, aller chercher les personnes à l'aéroport, quelqu'un qui arrive de Madagascar, un informaticien qui débarque à Paris, qui n'a jamais vu un métro, il faut un peu l'accompagner, il faut les aider. On a aussi toute la partie immigration, donc la partie plus administrative qu'on a développée chez nous, parce qu'il faut
obtenir un titre de séjour, des visas, le permis de conduire international, enfin tous les numéros de sécurité sociale, c'est tous des sujets très complexes pour les expatriés. Mmh. Et en fait, voilà, on a développé un petit peu à la fois tous ces services autour du métier historique qui était le recrutement international. On a développé tous ces services. Donc aujourd'hui, Coptalis, c'est un ensemble de, je crois qu'il y a 16 ou 17 sociétés. Et donc on a plein de métiers, de services différents. On fait de la formation aux langues étrangères. On a une filiale qui fait de l'immobilier. On a nos propres logements. Quand vous arrivez de l'étranger, alors toujours pour la France, c'est l'exemple que tout le monde connaît, mais si vous arrivez, je reprends l'exemple de Madagascar, vous n'avez pas trois fiches de paye, ou votre salaire sur place, c'était 300 euros en équivalent malgache. Personne ne se porte garant, bien sûr, parce que de Madagascar, ça ne marche pas. Donc, oui. Trouver un logement en France, c'est très compliqué. Donc voilà, donc on a internalisé la solution en créant notre profil à l'immobilier. Et puis voilà, on l'a fait aussi sur plein d'autres métiers. On a créé une filiale qui fait de l'intérim, on a créé une filiale qui fait du freelance, du portage salarial, parce que c'est des demandes qui sont fortes de nos clients ou de nos candidats. Donc aujourd'hui, Coptalis, c'est devenu, voilà, c'est tous ces métiers regroupés en interne pour pouvoir accompagner les projets d'expatriation des candidats et des clients également, des entreprises qui ont besoin de nos services. Et du coup, c'est ce panel de services qui fait aussi la différence de Coptalis par rapport à ses concurrents. Je crois que c'est ce que tu expliquais. Oui, alors c'est qu'on a, et c'est, je pense que là-dessus, on avait bien senti comment on devait développer l'entreprise. C'est que voilà, cette offre intégrée, finalement, qui est assez complexe à monter, hein, c'est recrutement, immigration, relocation, et tous les autres services à côté. C'est ce qui fait aujourd'hui la force de l'entreprise, c'est d'avoir une réponse totale et complète à une problématique de client. C'est que je peux rencontrer aujourd'hui des PDG de très grands groupes qui me disent « Olivier, cette année, moi, je dois recruter 10, 15 000 personnes. Comment vous pouvez nous aider chez Coptalis ?» Alors, je leur dis « Bien sûr, 10, 15 000, c'est encore un peu beaucoup pour nous aujourd'hui, même si on grandit vite. Mais en tout cas, on peut peut-être vous aider sur 300, 400, 500, peut-être 1000 l'année prochaine, mais un peu à la fois, on va pouvoir vraiment vous aider, vous trouver des solutions en volume. Déjà, aujourd'hui, on fait du volume. Mais voilà, c'est cette solution intégrée qui a fait le succès de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'offre concurrente. On a des concurrents sur des bouts de notre activité, donc, oui. Sur la partie relocation, sur la partie immigration, sur un peu de recrutement international ou sur le recrutement transfrontalier. Mais avec une vision globale comme on a aujourd'hui, avec... je crois qu'on doit parler 20, 23 ou 24 langues dans l'entreprise. Il doit y avoir une trentaine de nationalités différentes. Donc il y a des gens de toutes les cultures qui ont vécu, qui ont travaillé dans le recrutement dans plein de pays différents. Mm-hmm. Donc on a une très bonne connaissance des bassins candidats, où trouver les candidats dans plein de métiers différents pour des pays comme la France, le Canada, l'Allemagne, les Pays-Bas. Et donc, c'est le succès de l'entreprise, il ne se dément pas, on double de taille tous les ans. Alors 2019, on a fait 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. En 2018, c'était 24. En 2017, c'était 12. Et cette année, on espère faire 90. Oui. J'aimerais bien rapprocher des 100 millions. Donc, on double de taille quasiment tous les ans. Il y a un marché qui est énorme, il y a énormément de besoins d'attente. On n'est pas sur un marché de niche, finalement. Le marché de la mobilité internationale, de l'expatriation aujourd'hui, c'est devenu un marché mondial. On parle de guerre des talents à l'international. Aujourd'hui, on a des pays même qui nous appellent en disant comment vous pouvez nous aider pour développer l'attractivité de notre territoire. Donc, on travaille avec des ministères, on travaille avec des ambassades, qui disent voilà, comment vous pouvez nous aider à faire revenir la diaspora de tel pays, à aller chercher des... Là, on était invité à aller à San Francisco pour aller dire aux 300 000 Européens qui sont partis s'exiler à San Francisco dans la Silicon Valley, revenez travailler en Europe, parce qu'il y a aussi de très belles boîtes en Europe chez nous. Et voilà, donc on travaille vraiment sur ces sujets, donc sur des sujets qui sont passionnants. Là, pour le coup, je vais parler comme un vieux, mais moi, quand j'étais étudiant en école de commerce, on était 10% à partir faire une année d'études à l'étranger. Oui. Aujourd'hui, c'est systématique. Tout le monde part un an d'études, 6 mois ou un semestre au moins à l'étranger, dans toutes les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs. Les carrières se construisent à l'international. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de parcours internationaux, mais c'est une demande qui est encore très, très mal gérée par les entreprises en interne et par les acteurs. Il n'y a pas d'acteur qui propose un service complet. Donc, on arrive vraiment avec une offre unique qui explique le
boom. Et on, voilà, on voit, ce qui est sympa, c'est qu'on voit, on a une profondeur de marché qui est très, 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 très importante et on n'en voit pas le bout, quoi. On a l'impression qu'on va pouvoir doubler de taille encore pendant quelques nombreuses années, ce qui est plutôt sympa. Et justement, sur cet effet doublement de taille chaque année, comment toi et tes équipes, vous gérez ça? Parce que c'est quand même une croissance qui est très forte. Comment vous, tu arrives en interne peut-être à recruter du coup des talents qui vont t'accompagner dans cette croissance? Comment tu fais? C'est un enjeu qui est énorme parce que cette année, en 2020, 7 ans, on va passer le cap des 1000 salariés en 7 ans. Ouais. Enfin, c'est juste... c'est fou. Il y a le service RH qui est juste à côté. Enfin, voilà, pour le coup, c'est vraiment un service où c'est hyper, hyper, hyper dense chez eux en termes d'activité parce que l'entreprise... On passe des seuils, enfin, ne serait-ce que pour les seuils de représentants du personnel, etc. Enfin, il y a des règles d'entreprise qui changent. On est passé de PME à ETI très très vite, en fait, finalement. Donc, tous les ans, il faut remettre les règles en place, il faut attirer des talents, il faut garder les talents, faire grandir les gens en interne. Parce qu'un des enjeux, c'est bien sûr d'aller capter des talents, mais une entreprise qui grandit vite, on doit aussi passer beaucoup de temps à faire grandir nos équipes en interne. C'est-à-dire que on recrute quelqu'un il y a 2 ans ou il y a 3 ans sur une entreprise qui était plutôt franco-française, voilà, où on va dire 90% du business était franco-français avec 2 filiales ou 3 filiales. Aujourd'hui, on est dans 12 pays avec plus de 20 filiales différentes, avec plein de langues, plein de règles comptables différentes. Donc l'entreprise a complètement changé, ce qui fait que les équipes en interne doivent évoluer, ils doivent grandir, doivent être capables d'absorber cette montée en compétences. Et donc ça, c'est un enjeu très fort des RH. Alors on soigne, hein. Je pense que ici tu as vu clair, c'est peut-être pas la bonne saison encore, hein. On est à Lille, mais encore qu'il fait pas trop mauvais aujourd'hui, mais on vit dans des endroits qui sont plutôt sympas. C'est une grande villa, il y a une piscine dehors, elle est chauffée, donc c'est pour ça que c'est peut-être pas encore la bonne saison pour l'essayer, mais on essaie de mettre un cadre de travail qui est plutôt sympa et qui se fait assez naturellement, hein. C'est pas un calcul de notre part pour dire on veut attirer des gens, et voilà, c'est finalement on est Gilles et moi tous les deux naturellement très très orientés pour prendre du plaisir, enfin, c'est partie des valeurs de l'entreprise, le plaisir. Et moi, si je rigole pas tous les jours en venant travailler, enfin, j'ai vraiment raté ma journée. Donc Gilles, lui, son premier métier, c'était Géo Club Med, et moi j'étais maître nageur disque jockey pendant que j'étais étudiant. Donc voilà, je pense qu'on a besoin vraiment de pas se prendre au sérieux et de prendre beaucoup de plaisir quand on bosse. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, et puis du coup ça crée une ambiance un peu atypique. On responsabilise, on fait confiance, il y a beaucoup de télétravail, enfin voilà, on n'est pas sur le dos de tout le monde. Et on a fait d'ailleurs un truc assez sympa l'année dernière, c'est qu'on a permis à tous nos salariés de devenir associés, enfin de mettre de l'argent, c'est eux qui ont investi de l'argent sur l'entreprise, donc on leur a réservé une partie du capital dans de bonnes conditions en plus, hein, plutôt sympa pour eux. Et du coup, on s'est retrouvé avec aujourd'hui, dans les bureaux ici, vous avez, il doit y avoir 150 personnes ici dans les bureaux, il y a une centaine qui sont actionnaires de l'entreprise. Donc du coup, il y a un attachement très fort à la boîte, à la faire grandir. Et ce ne sont pas juste des salariés, tout le monde est un peu associé à l'entreprise. Et ça a créé une valeur supplémentaire, quoi. Oui, donc ça, c'est un point essentiel. Et aussi, tu arrives à recréer cette même atmosphère à l'étranger dans vos bureaux. Ça se ressent, ça se retrouve aussi finalement, la culture de l'entreprise, elle infuse un peu partout. Alors c'est un travail de toujours, je ne veux pas dire que tout se fait naturellement et facilement, parce que quand tu ouvres un bureau, tu recrutes des équipes à distance, on n'est pas avec eux pour leur donner. On essaye de choisir des gens qui, en tout cas sur les valeurs, nous ressemblent, qui ont le même état d'esprit que nous, donc on arrive à le recréer. On a aussi des gens de l'équipe qui étaient ici en France, qui sont partis en Roumanie, qui sont partis au Canada, qui sont partis au Vietnam. Donc du coup, ça donne, ils sont partis au Maroc. Donc ça donne vraiment cette culture de l'entreprise qu'on arrive à diffuser ailleurs. Mais c'est un vrai boulot. Enfin, là, on a une communication, réunion de communication mensuelle ce soir avec tous les pays du monde entier. Enfin voilà, donc une partie en français, une partie en anglais. Il faut vraiment arriver à envoyer des messages à tout le monde en même temps. Il ne faut pas qu'il y ait un pays ou quelqu'un qui se sente un petit peu en décalage. C'est plus difficile, c'est d'avoir ce décalage, d'avoir le siège qui vit ici à Lille, et puis toutes les agences, même en France, hein, à Nice, à Marseille, à Toulouse, où on a des agences, à Lyon, à Nantes, enfin voilà, au Vietnam, au Canada, Pologne, Roumanie, etc. Enfin, il faut que tout le monde vive en même temps.
même temps et soit au courant des projets, du développement de l'entreprise. Donc c'est un gros travail de communication interne pour faire vivre l'entreprise et les projets de l'entreprise à la boîte. Mais on y arrive, puis on fait des événements. Enfin, voilà, on a un séminaire très important tous les ans où tout le monde se retrouve, où voilà, on travaille sur des sujets communs. On passe aussi le soir, on passe aussi du bon temps ensemble pour créer des liens. C'est aussi un moment de rencontre. Voilà. Donc, bien sûr, on travaille beaucoup pendant ce moment-là, mais il y a aussi des moments de rencontre, des moments d'échange qui sont essentiels. Mais du coup, ça marche, on y arrive. Ce mélange, finalement, ça prend, quoi. Parce que c'est multiculturel. Enfin, c'est pas toujours forcément évident de faire se matcher différentes cultures, différents vécus aussi. Et ça, la mayonnaise prend, en fait. Alors, la mayonnaise prend sur le multiculturalisme parce que c'est un peu l'ADN, quoi. C'est la règle. Ouais. Quand vous arrivez ici, quelqu'un vient ici, il vient pour ça, en fait. C'est parce qu'il y a... Il va être recruté par une Autrichienne, il va rencontrer une Italienne, une Russe, un Polonais, peut-être un entretien de recrutement. Donc, on le sait, ça fait partie de l'entreprise. Si vous êtes très fermé aux autres et pas ouvert sur d'autres cultures, c'est compliqué de venir chez nous. Donc, ça se fait assez naturellement. Et c'est plutôt d'ailleurs des gens qui ont en général, qui viennent chez nous, sont des gens qui ont déjà été expatriés une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, qui ont déjà vécu ça et qui du coup sont très ouverts aux autres, qui connaissent en plus cette difficulté d'aller à l'étranger, d'être confronté avec des gens d'un autre pays qui ne vous comprennent pas forcément ou qui n'ont pas les mêmes blagues, pas le même sens de l'humour. Enfin, c'est tous ces sujets-là qui sont sensibles et oui, ça marche bien parce que c'est en tout cas la règle est bien établie dès le début. Enfin, voilà, je pense que quand vous venez ici, vous savez pourquoi vous venez et puis... pas que c'est une boîte 100% française et que tout sera en français, c'est pas le cas. Et pour du coup le management de Cooptalis, est-ce que tu te reconnais dans ce qu'on appelle l'entreprise libérée, ou ce fonctionnement-là en tout cas avec responsabilisation des collaborateurs, des prises de décision qui sont vraiment partagées, pas de trucs qui descendent comme ça, est-ce que c'est un peu votre mode de fonctionnement, même si après c'est pas un modèle absolu, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment. Et j'ai l'impression que dans ce que tu m'expliques sur le fonctionnement, ça s'en rapproche un petit peu. Alors, je pour le coup, j'ai jamais étudié en détail le modèle de l'entreprise libérée, savoir tout ce qu'il y avait derrière. Ouais. J'ai jamais lu de bouquin sur l'entreprise libérée. On n'a pas cherché à faire une entreprise libérée. Enfin, on ne s'est pas dit on va construire une entreprise libérée quand on a démarré. Mais c'est sûr qu'on a mis beaucoup de nous, en fait, de nos valeurs, de la manière dont on voulait travailler avec les gens. Et du coup, moi par exemple, j'ai horreur de donner des ordres. Enfin, quand je dois donner un ordre à quelqu'un, c'est un échec, c'est parce qu'on n'a pas su échanger, discuter. Donc ça a dû m'arriver deux fois dans l'entreprise depuis parce qu'on n'était pas d'accord avec mon associé, qu'à la fin il fallait trancher, que s'il y en a un qui doit trancher, c'est moi, c'est un peu la règle qu'on a définie. Donc ouais, mais c'est plutôt un échec. Et bon, ça s'est bien terminé parce que les deux fois, quand j'ai plutôt tranché du bon côté. Donc mon associé m'en veut pas, il est très content. Mais voilà, c'est plutôt un échec. On est plutôt sur un échange, communiquer, responsabiliser les gens, faire confiance. On parlait de télétravail, on a parlé de. Enfin voilà, c'est. Puis notre métier, c'est aussi de voyager, de rencontrer des gens. Donc les emplois du temps sont un peu particuliers parce que quand vous partez une semaine au Sénégal, que vous revenez après, il y a un peu de récup. Vous travaillez pas de la fin. On ne travaille pas de la même manière chez nous. Et puis parfois, il y a des entretiens qui peuvent se faire le soir, parce qu'avec les décalages horaires, donc du coup, si quelqu'un n'est pas là le matin, il n'est pas là le matin. Enfin, il n'y a pas de... On ne va pas pointer, regarder. Donc oui, je pense que l'essentiel, c'est de faire confiance. Et puis, de toute façon, une entreprise où on fait ça, en général, les éléments, s'il y a un ou deux qui veulent profiter du système, parce que finalement, on est assez souple sur les vacances, sur les congés, sur tout ça, on est très souple. Ceux qui veulent profiter du système, c'est en général les autres, ses propres collègues qui vont le recadrer. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de le faire, c'est que ça se fait assez naturellement. Après, c'est plus facile pour nous parce qu'on a créé l'entreprise comme ça. Je pense que c'est plus difficile pour une entreprise qui a déjà 20, 30, 40, 50 ans de management plus classique de vouloir insuffler un vent de nouveauté, de fraîcheur dans son management. C'est plus compliqué à faire que nous, dès le début, on l'a mis comme ça. Donc, ça se fait très naturellement, enfin il y a pas de voilà, et puis c'est oui, je pense que c'est générationnel. Enfin moi c'est pareil des fois j'ai je me prends 2 heures l'après-midi, je vais aller courir, j'ai besoin d'aller souffler un peu, je vais courir, enfin voilà, c'est mais je pense qu'on montre ça, enfin on est pareil, enfin ce qu'on applique aux autres salariés. Moi si je vois quelqu'un ici au boulot après 19h le soir, 18h30, 19h, je le mets dehors, c'est pas normal, enfin ça peut arriver une fois mais pas que ce soit
répétitif. Enfin, il y a un équilibre vie pro, vie perso. Voilà, il y a priorité à la famille, les enfants. Donc voilà, c'est tout ça qu'on essaye de... C'est toutes nos valeurs. Et puis du coup, on a ça chez le monde interne et ça se passe... Donc on est souvent cité comme entreprise libérée, mais sans avoir cherché à en faire une. D'accord. Pour répondre clairement à ta question. Et puis, je crois aussi que tu as aussi un rôle social qui te tient aussi à cœur. Je pense que vous aviez... Vous accompagnez des... Enfin, on avait parlé quand tu étais venu nous voir dans mon entreprise, tu avais cité cet exemple-là, aussi du rôle social que peut avoir Cooptalis pour accompagner notamment des immigrés pour, dans leur recherche à la fois d'un emploi, etc. Et moi, ça me semblait important qu'une entreprise qui fait du recrutement, on va dire, de cadres, d'ingénieurs, etc., s'implique aussi dans ce sujet qui est quand même délicat et qui est quand même assez peu valorisé. Alors, on recrute tout type de profil, ouais. pas que des cols blancs, mais on fait beaucoup de cols bleus. Enfin, ça peut être un boulanger, un coiffeur, un ébéniste, un plombier. Enfin, vraiment, on recrute vraiment des gens dans des univers très, très différents. Hein. Donc, pour le coup, il y a un spectre assez large. Et oui, donc du coup, il y a un projet dont on est tous très fiers en interne, c'est qu'on a... On a monté en interne un projet pour aider les réfugiés politiques qui sont sur le territoire. Donc on a 40-50 000, selon les chiffres à peu près, entre 40 et 50 000 en France. Donc c'est des gens qui ont un titre de séjour, qui ont le droit de travailler en France, par contre qui ont parfois du mal à se réinsérer. Donc là, ça fait un peu écho avec ma première expérience professionnelle. Oui. Et c'est des gens qui parfois... ont des vrais diplômes, il y a des médecins, des ingénieurs, il y a des plombiers, enfin, il y a des gens qui pourraient être très utiles sur le territoire, mais ils ont du mal à s'insérer parce qu'ils ne savent pas faire un CV, parce qu'ils ne parlent pas français, pour plein de raisons, pour l'équivalence de diplôme, etc. Donc on a créé une filiale qui leur est dédiée, où on les accompagne sur des retours à l'emploi. Donc là, on est sur 500 personnes qu'on est en train d'accompagner actuellement pour les aider à se réinsérer. Donc c'est un projet qui est passionnant et qui donne beaucoup de fierté à toute l'équipe en plus. Enfin, en dehors de moi, c'est un projet dont tout le monde s'est emparé en interne et qui fait plaisir à tout le monde. Et puis c'est plein de belles histoires aussi. On se sent utile parce qu'on a à la fois des entreprises qui disent j'ai du mal à recruter, j'ai du mal à plutôt que d'aller chercher à l'étranger des profils qu'il y a peut-être déjà chez nous. L'étranger c'est bien, mais faut aussi penser à trouver des gens qui sont à côté sur le territoire. Enfin voilà, moi je promeux aussi la formation à côté pour qu'il y ait zéro chômage, mais en tout cas on peut pas faire la transition aussi vite, donc en attendant les entreprises ont besoin d'aide et puis il y aura toujours besoin d'un peu de main d'œuvre étrangère. Donc ce projet justement pour les réfugiés est canon en termes de sens, en termes d'utilité, en termes de voilà. Et puis vous avez un Bosnien, un Syrien, enfin voilà, des gens qui viennent du monde entier, c'est canon de les aider avec leur famille, trouver un logement, on est très 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 utile. Oui. Et pour revenir sur la partie levée de fonds, donc sur Cineo, tu avais fait une levée de fonds, puis après la session à Noroto, sur Cooptalis, je pense que tu en as fait plusieurs, tu as eu plusieurs étapes de levée de fonds, comment ça s'est passé, et à quel moment, et donc pourquoi tu t'es dit, il me faut un booster pour mon développement. Alors, Cooptalis, quand j'ai recréé Cooptalis, je suis reparti avec quasiment rien, en fait, en partant quasiment de zéro. Donc, très vite, en fait, il a fallu trouver un peu de fonds. On avait un petit peu d'argent pour démarrer. J'en avais un peu plus que la première fois quand j'ai créé Cineo. Voilà, je crois que c'est 2015. Donc, après 2-3 ans, on s'est dit, il va falloir... peut-être autant pour assurer aussi notre écosystème, c'est-à-dire que nos banques, nos clients, etc., sur la solidité de l'entreprise, que parce qu'on avait réellement besoin. Enfin, en tout cas, pour les deux, on a fait une levée de fonds avec des partenaires locaux. Donc là, on a cherché Finorpa IRD de la région, qui sont deux acteurs institutionnels les plus connus ici dans la région, donc qui sont rentrés au capital à ce moment-là. Donc hyper bienveillants, qui ont également nous ont fait profiter de leur réseau, leur connexion ici pour rencontrer pas mal de monde. Et puis c'est vraiment je pense que tu l'as compris, mais moi j'ai horreur des aventures individuelles. Enfin, moi j'adore échanger, partager, donc je trouve ça me manquait aussi après 2-3 ans de la richesse d'un conseil d'administration ou d'un conseil d'assurance, ça dépend, on peut l'appeler n'importe comment, mais en fait cet échange, cet effet miroir, il est quand même hyper sympa à construire, à faire,
Et du coup, j'avais envie de recréer ça, je l'avais chez Cineo, j'ai envie de recréer ça. Donc on l'a fait à ce moment-là avec Finor PRD qui sont rentrés au Capital, avec des gens canons. Enfin, je pense que c'est dans la région, tout le monde les connaît, mais c'était top de se retrouver avec eux. Et donc, c'était la première étape. On a levé 400 000 euros en 2015. Ça nous a permis de faire une première étape de croissance. Et il y a une deuxième étape qui était un peu plus structurante, qui a eu lieu en 2018, si je ne me trompe pas, 2018, où là, on a fait une levée de fonds plus forte parce que l'entreprise commençait à grandir très, 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 très vite. On passait de 2 millions à 6 millions, de 6 millions à 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, de 12 à 24. Et là, forcément, là, encore des problèmes, même si la boîte est rentable, encore des problèmes de trésorerie, ça se tend. Et il fallait trouver améliorer nos fonds propres. Et donc, on a fait appel à ce moment-là des fonds. On a recherché là aussi. On a cherché des fonds qui allaient pouvoir nous aider, nous apporter pas uniquement de l'argent, mais des compétences métiers, un savoir-faire. On avait un gros chantier sur le digital, donc on a essayé de trouver un fonds qui avait... En tout cas, un intervenant dans le fond qui avait une appétence particulière sur cette dimension digitale. On cherchait des fonds qui pouvaient nous mettre en connexion avec des boîtes vraiment dimension nationale, internationale, donc plutôt un fonds parisien pour sortir un peu de la région. Et donc voilà, ils sont rentrés à ce moment-là. Et puis encore des fonds bienveillants, parce qu'on aime bien s'entourer aussi de gens qui sont à côté, qui nous connaissent dans l'écosystème. Donc ils sont rentrés à ce moment-là CIC. CIC Investissement, donc oui. Ça s'appelait Crédit Mutuel Equity maintenant. Oui, ils ont changé de nom. Il y a Idinvest qui est peut-être le plus gros fonds français aujourd'hui. Il y a Idinvest Eurazeo qui rentre également. Donc là, vraiment, avec ce côté digital, cette caractéristique digitale très forte, très développée. Et un fonds Entrepreneur Venture qui est également très réputé sur la partie digitale avec une vraie expertise sur le monde des RH, donc très utile pour nous. Et donc ça fait une... Puis elles sont restées, donc les deux historiques qui nous ont accompagnés. Donc c'était une belle levée de fonds, première étape. Et rebelote, un an et demi plus tard, on a fait une deuxième levée, donc avec les mêmes actionnaires qui ont remis. Donc on a levé, alors si je compte un peu de dette bancaire en même temps avec, on a dû lever pas loin de 35 millions d'euros sur les deux opérations. Donc c'est déjà pas mal. Oui. C'est déjà pas mal en un an et demi, ça fait beaucoup, mais ouais, on est victime de notre succès. Hein, c'est qu'on n'a pas trop le choix. Enfin, voilà, l'entreprise qui grandit comme la nôtre, les besoins d'investissement, les besoins en structuration, les besoins en BFR. On a commencé aussi à racheter des entreprises. On a racheté 4 entreprises cette année. Donc, pour pouvoir racheter des boîtes, il faut aussi un peu de trésorerie. Forcément. Donc on a racheté une entreprise en Roumanie, on a racheté une au Canada, on a racheté une en Belgique, on a racheté une au Maroc, pour grandir plus vite, pour consolider l'entreprise. Donc ça, c'était, je pense, hyper stratégique et très intéressant pour nous. Et on l'a pu le faire grâce à ces levées de fonds. Et du coup, sur French Tech 120, pour continuer un peu sur la veine du digital, comment vous avez été contacté pour intégrer en fait ce cercle de 120 entreprises qui, du coup, ont un accompagnement quand même assez spécifique de la part de l'État français en totalité. Enfin, voilà. Comment ça s'est passé? Alors, on était déjà depuis longtemps. Mmh. Enfin, je pense qu'on vit pas caché. Enfin, voilà, on aime bien échanger, partager. Donc, on faisait partie de la famille French Tech. Donc, on rencontrait déjà régulièrement... Moi, j'ai mon petit coq jaune et mon petit coq rouge où j'allais, quand j'allais à l'étranger, je devais le mettre sur les photos, rencontrer un ambassadeur, voilà. On était aussi très présents au sein de France Digital. Donc, en fait, voilà, on investit en 2 ans quasiment 10 millions d'euros sur le digital, sur les projets création d'outils, de plateformes SaaS, justement pour améliorer, accélérer notre métier, parce que c'est un métier qu'ils ont international comme le nôtre, on est obligé d'avoir des outils hyper performants sur la recherche de candidats, sur de l'information, sur de la data qu'on peut donner aux candidats à l'expatriation. On est forcément depuis longtemps dans les réseaux, donc en fait c'est eux qui sont venus nous chercher plutôt, c'est un échange, discussion, et puis quand ils ont vu les chiffres aussi de l'entreprise, je pense que notre croissance reste quand même assez atypique malgré tout, en nombre de salariés, en volume de chiffre d'affaires. Enfin, donc,
même dans l'univers de French Tech, on fait partie des boîtes qui grandissent quand même le plus vite. Donc, et puis ça se renouvelle tous les ans. Donc au début, ils disent bon, c'est juste un effet, ça va se calmer dans un an ou deux. Mais en fait, ça continue. On continue. Donc voilà, je pense que tout ça fait qu'on est rentré au sein de French Tech 120. Et je pense que c'est canon. Enfin, ça va nous ouvrir beaucoup de portes. Mmh. Ça nous permet de rencontrer. Alors, on a les services de l'État qui sont peut-être un peu plus présents pour nous. On avait déjà beaucoup d'aide. Hein, ministère de l'Intérieur, ministère du ministère de l'Économie. Enfin, voilà, on a déjà pas mal de coups de main, pas mal de connexions, de mise en relation. Mais là, je pense que ça m'a encore accéléré. On s'est retrouvé en mission présidentielle en Pologne. On s'est retrouvé là. Donc c'est sympa, c'est des belles aventures pour une jeune boîte comme la nôtre. Voilà, oui, c'est sûr. C'est une histoire sympa. Et pour revenir aussi sur les valeurs dont tu parlais tout à l'heure de Cooptalis, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui anime l'entreprise ? Sur ce qui anime, on a quatre valeurs. Après, je ne sais pas si c'est... Bon, alors c'est audace, parce que je pense que voilà, avant tout, c'était... on n'a pas peur, enfin, on crée, on lance, on prend quelques risques. Enfin, moi, c'est aussi mon profil de créateur au début, développeur. Enfin, je suis ancien sportif de haut niveau aussi, donc du coup, voilà, j'y vais, j'aime bien relever des défis. Et donc ça, c'est vraiment dans l'entreprise, un peu partout. On essaie de cultiver cette valeur-là, de continuer à oser entreprendre. Si des gens ont des projets internes dans l'entreprise, et vraiment les promouvoir et les leur permettre de les essayer, de les tester. Enfin, voilà, on met pas de frein. On a une valeur qui est l'engagement, parce que on a une responsabilité énorme dans notre métier, c'est-à-dire qu'on a quand même la capacité de changer la vie de plein de gens. On accompagne des milliers de milliers d'expatriés tous les ans. Donc quand vous avez quelqu'un qui déménage avec toute sa famille, nouveau boulot, une nouvelle vie qui va démarrer pour lui. Enfin, c'est notre responsabilité est vraiment très très forte et on n'a pas le droit de se rater. Donc voilà, c'est un métier qui demande beaucoup d'engagement de la part des équipes, parce qu'il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup d'affect. On ne pourra jamais tout digitaliser sur ce métier. C'est un métier, quand on parle de digital, chez nous c'est du digital inclusif, c'est du digital qui a besoin d'humains à côté pour pouvoir se réaliser. Donc et du coup là, on a besoin d'équipes hyper engagées, c'est le cas. Enfin, c'est des équipes qui sont très empathiques et très soucieuses de nos candidats, nos clients, et parce que faire attention que tout se passe bien, parce que c'est un équilibre fragile, enfin, l'expatriation. On a la valeur plaisir, parce que j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Enfin, voilà, il faut vraiment s'amuser, prendre du plaisir. Donc là, on met plein de trucs en place chez nous. On fait un petit tournoi de poker interne la semaine prochaine, c'est clair, si t'as rien à faire. Il y a des cours de jardinage, des cours de guitare, on fait plein de choses chez nous, cours de théâtre, y a plein de trucs chez nous. On a, et la dernière valeur, c'est la diversité, parce qu'en fait, c'est vraiment une des forces de l'entreprise, c'est ce multiculturalisme, c'est de faire venir des gens, d'accepter des gens avec leurs différents du monde entier, d'essayer de comprendre l'autre et pas le juger uniquement avec son spectre et à travers le prisme du français qui regardait donc c'est tout ce côté là qui est passionnant dans notre métier. Donc diversité, audace, engagement, plaisir, c'est les quatre valeurs. Elles sont pas fichées, mais elles vivent plutôt bien chez nous en interne et on est plutôt attentif à ce que ça marche. Mais ça se fait naturellement parce que on a la chance de notre service RH fait un super boulot, donc à la fois dans le choix des équipes qui nous rejoignent, des gens qui vont nous rejoindre, et dans la manière de faire vivre tout le monde, ça se passe plutôt. Et donc pour toi, tu disais je suis un développeur, est-ce que tu sens que tu es toujours dans une grosse phase de développement pour Cooptalis et que du coup c'est un projet que tu vas porter encore longtemps, ou est-ce que quand même, tu réfléchis aussi à d'autres choses qui sont pas forcément opposées au fait de continuer à manager l'entreprise. En t'entendant parler, je pense à ça. Alors, je suis pour l'instant à 200% sur Cooptalis, parce que la boîte, on est quand même sur des phases de développement encore rapides. Hein. Ouais. La boîte doublée de taille cette année. Donc, moi qui suis développeur, je m'amuse. Hein. On crée des nouveaux business, on ouvre des nouveaux pays. Enfin, on a encore plein de trucs à diversifier. Donc, je m'amuse encore. Mais oui, c'est sûr que dans ma tête, je sais qu'à un moment donné, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui viendra à ma place ici, mais tant mieux. Enfin, j'ai déjà d'autres projets, j'ai déjà 3-4 autres projets sympas où j'ai eu le déclic, c'est comme je te le disais tout à l'heure, j'ai le déclic, je sais que j'ai trouvé la bonne idée. J'en ai au moins deux comme ça, ou dans les cartons, où je sais que j'ai trouvé une bonne idée. Donc, je me fais pas d'inquiétude, je sais que je pourrais créer d'autres choses par la suite, parce que j'ai encore appris plus avec,
avec Optage, mais c'est, l'heure n'est pas encore à ça. Enfin, pour l'instant, je suis focus à 200% sur la boîte et j'ai encore quelques belles années à faire ici avant de passer la main. Oui, parce que du coup, c'est quoi les prochaines étapes du développement pour accompagner la croissance? C'est des nouveaux bureaux à l'international? C'est aussi en France? Enfin, comment tu vois les choses? On est en train de travailler sur plusieurs aspects. Il y a une partie développement international chez nous qui est très fort. Où on ouvre 4, 5, 6 pays par an. Là, on est en train d'ouvrir la Côte d'Ivoire, on est en train d'ouvrir les Pays-Bas. Enfin, donc, voilà, on est en train d'ouvrir pas mal de nouveaux endroits. Hein. Tous les ans, ça va être... D'abord européen et ensuite hors européen, mais ouais, tous les ans, c'est entre 4 et 6 pays. Donc, c'est déjà un rythme assez soutenu. Et ensuite, dans la largeur de gamme qu'on propose à nos clients et à nos candidats, on n'a pas encore tout fait. Enfin, voilà, on travaille sur des outils informatiques pour piloter les expatriés pour les entreprises. On travaille sur un outil, une plateforme interne. On a des métiers comme toute la partie... conseil plutôt fiscal auprès des expatriés qu'on ne maîtrise pas encore, donc pourquoi pas le développer chez nous, peut-être la partie déménagement, la partie traduction, il y a plein de trucs qu'on pourrait faire qu'on n'a pas encore fait, donc il y a plein de choses à créer, donc des sujets, enfin voilà, le problème il n'est pas de voilà, il y a beaucoup de sujets, le problème il va plutôt être de les prioriser, de les cadencer, parce que voilà, et puis on a aussi parfois des contraintes externes. En ce moment, on est un petit peu chahuté avec la crise du coronavirus. Oui. C'est forcément pour nous, dans notre métier, l'international, il y a un peu moins de déplacements, un peu moins de mobilité, des projets qui sont retardés, des clients qui ne voyagent pas. Donc voilà, on sait qu'il y a des facteurs extérieurs sur lesquels on doit être attentif, qui peuvent un peu nous ralentir, changer un peu les plans. Donc ouais, on est aussi prudent là-dessus. Il ne faut pas foncer aveuglement. Donc voilà, il y a un peu tout ça, mais on a plein de projets pour la suite. Ouais, c'est super. Et donc, le temps passe, Olivier. Et je voudrais te poser les quelques questions rituelles que je pose en fin d'épisode de La Boussole. D'abord, est-ce que tu aurais un livre ou un film à conseiller aux auditeurs? Alors, tu m'avais préparé avec ces questions au tout début, en off, mais du coup, je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Mais si j'ai un livre, c'est un truc très perso, du coup. Si j'ai un livre, alors c'est juste un livre qui m'a marqué quand j'étais jeune, quand j'étais tout. Je pense que j'avais 12, 13, 14 ans. Et qui a, je pense, vraiment changé ma manière de voir la vie, en fait. Où je suis depuis toujours positif, optimiste, très heureux, tout le temps. Et j'ai vraiment toujours tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et c'est un livre qui est un peu triste, il s'appelle Au nom de tous les miens, et voilà, qui m'a beaucoup marqué. D'accord. Et voilà, c'est celui-là. Et donc c'est vraiment le livre qui a changé mon état d'esprit. Ok. Ensuite, est-ce que tu as des rituels dans ta journée, des moments qui sont pour toi important, dans ta journée ou dans ta semaine, hein, moi, je sais pas, voilà, ça peut être faire du sport, être avec ta famille, etc. J'ai un rituel surtout que j'ai repris. Alors bien sûr, j'ai dit, hein, la famille, c'est très important. J'ai mes enfants, j'adore passer du temps, jouer avec eux. J'ai joué avec eux pendant 2 heures avant d'aller me coucher. Mais en tout cas, j'ai un truc que je fais, que j'ai refait et que j'avais arrêté pendant quelques années et qui me fait beaucoup de bien depuis 6-7 ans, c'est de refaire du sport, en fait. Et je me suis remis beaucoup à faire du sport et je me réserve vraiment des créneaux dans la semaine, le soir, pour aller... Ça permet aussi, hein, ça, on a quand même un métier où il y a un peu de pression, il y a un peu de... C'est dur, on se fait secouer, ça va un peu dans tous les sens, on voyage, donc c'est sympa de se réserver des moments comme ça un peu privilégiés où on va courir, moi je fais du triathlon, donc je vais courir, je vais nager, je vais faire du vélo avec les copains ou en famille ou tout seul, là je vais courir avec mon fils qui me suit en vélo, enfin c'est des petits moments sympas, voilà, on souffle, puis l'activité physique fait du bien, permet d'évacuer beaucoup de stress, donc tout à fait, c'est vrai. Pas mal. Pour avoir un mari qui a aussi un boulot un peu stressant, il court beaucoup, ça lui fait du bien. Et ensuite, cette émission s'appelle La Boussole. Donc, La Boussole, ça montre le Nord. Donc, ça donne une direction. Est-ce que toi, tu as un message que tu voudrais faire passer pour soit un encouragement, quelque chose pour impulser une dynamique et montrer une direction? Moi, le truc principal, c'est faut toujours donner du sens à ce qu'on fait, faut prendre du plaisir, donner du sens à son projet, c'est-à-dire que
C'est ce que j'adore, d'ailleurs, j'interviens beaucoup dans les écoles quand il y a la génération d'aujourd'hui et ils ne cherchent pas que la partie financière, il n'y a pas que le côté business dans la création. Ce qu'ils adorent, moi, c'est les histoires que je raconte sur Cinéo, l'insertion, l'environnement, enfin tous ces trucs-là, ça les passionne. Et en fait, c'est ce surplus-là, on en a besoin aujourd'hui. Enfin, je pense que dans le monde du business aujourd'hui, il est un peu malade. Enfin, le monde de l'économie est un peu malade. On a vu les crises économiques arriver. Donc, je pense qu'il faut que le monde de l'économie, le monde du management, alors on est en train de vivre des révolutions assez rapides, mais il faut que tout ça évolue vite et change vite. Et qu'on a besoin d'entrepreneurs, on a besoin de managers aujourd'hui qui ont cette vision un peu nouvelle et qui ont envie de changer et qui ont envie de faire les choses un peu différemment. Et donc ça, c'est top. Moi, je peux juste encourager ça parce que c'est du bien-être pour tout le monde. Enfin, on voit je pense qu'on a tous des amis qui travaillent dans des environnements où il n'y a pas cette empathie au quotidien dans leur travail. On passe tellement de temps au boulot et quand on ne vit pas ça tous les jours, c'est difficile. À l'inverse, quand on a une boîte où on prend soin de vous, où ça se passe bien, c'est quand même, la vie est quand même un peu plus sympa. Donc, peut-être juste ça pour tout le monde. Mais dans le Nord, je pense qu'on est plutôt bien lotis. On a un terreau assez fertile. Sur ces thématiques. Donc, on a plutôt des boîtes qui font attention à leurs collaborateurs et à l'esprit, à la vie, à l'équilibre vie pro, vie perso. Et enfin, si tu avais un invité à me recommander, quelqu'un que tu voudrais entendre dans ce podcast? Alors, moi, spontanément comme ça. J'ai deux personnes. J'en ai un qui a plutôt une histoire qui est passionnante et puis c'est vraiment devenu une référence dans la région. C'est Thierry Landron de chez Mère, la pâtisserie, la célèbre pâtisserie rue Escarmoise. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de le rencontrer ou d'aller manger une gaufre là-bas. Oui, manger là-bas, oui. Mais voilà, son histoire, elle est géniale. En fait, c'est un copain. On joue au waterpolo ensemble. D'accord. Quand on était jeunes. Donc, on se voit régulièrement encore. Et son histoire, elle est très sympa. Il était comptable, il a repris. Enfin, je pense qu'il te racontera beaucoup mieux que moi son voiture et la manière dont il a redressé cette entreprise mère, dont il a fait ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Enfin, c'était pas aussi facile que ce qu'on pense. Et l'histoire est canon. Enfin, je pense que voilà, Thierry est quelqu'un de passionnant, qui est président du LUC en plus, qui est très impliqué dans l'associatif. Donc voilà, un homme passionnant, brillant. Et deuxième, c'est plutôt un attachement à la. J'hésitais avec une copine, mais parce que c'est la journée de la femme, donc j'hésitais à te. Je vais te faire un attachement à la région quand même, parce que c'est la boussole, mais c'est. Donc désolé les femmes, je fais un bisou à toutes les femmes pour la journée de la femme aujourd'hui, mais c'était hier, journée de la femme. Mais du coup, c'était Benjamin Deromo qui a la marque Galodrome, que tu connais peut-être. Il y a tout un univers autour du Nord, de la marque des Ch'tis, et c'est devenu c'est un vrai succès. C'est une boîte c'était une marque à la base qui s'appelle Parole de Ch'tis, qu'il a reprise de sa famille et qu'il a fait développer. Il en a fait un truc dingue. C'est un mec qui est génial, rigolo, passionnant. Il y a plein de boutiques dans la région. Et puis, c'est devenu aujourd'hui, même les Ch'tis qui s'expatrient, qui quittent leur région, enfin, adorent avoir leurs petits t-shirts ou leurs trucs un peu du galodrome. Donc, voilà, c'est peut-être les deux personnalités un peu sympas de la région, un peu emblématiques de la région. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Olivier. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.